liberté de soigner, liberté de choisir, liberté de soigner, liberté de choisir. Esprit perdant dans le SAMU qui vous la vie valure. Des enfants du comte Pinocchio, cette caissière est pas mal roulée. Oh non, je me fais glisser les slips sous les bips, je rêve à mon clip. À l'apogée de ma carrière, j'oublierai. De monsieur Macron avec un parcours législatif accéléré, donc c'est ce qu'on appelle le recours aux ordonnances, et il faut savoir que normalement c'est quelque chose qui est utilisé ponctuellement, mais monsieur Macron ne fait que des demandes par ordonnance, donc comme ça la loi elle est traitée rapidement, ils n'ont pas le temps vraiment de l'étudier, de parlementer, etc. Et ça c'est monsieur Macron. Voilà pour ces premières nouvelles, merci. Des porteurs de banderoles pour les personnes qui veulent bien, et puis on va pouvoir commencer en direction de l'ARS. On passera aussi à la préfecture et au palais de justice, et nous avons eu rendez-vous à la préfecture pour la troisième fois donc cette semaine, et on a pu enfin récupérer les rues qui nous étaient interdites. Donc en termes d'interdiction, nous n'avons plus que la rue du Temple et la rue de Paris et la mairie, place sur Hugues, Charles sur Hugues. Voilà, mais tout le reste, on l'a récupéré, donc on va pouvoir faire des trajets plus dignes de ce nom. On n'en veut pas, Macron, ton passe. 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 Liberté, parfait.
mais t'aurais dit que c'est tout. Ouais, mais bon, parce que vous voyez, le fou du volant. Petite nouvelle, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis chirurgien-dentiste à Auxerre. Je suis interdite d'exercer et depuis le 15 octobre, mon remplaçant qui est vacciné n'a plus le droit de me remplacer non plus. Donc mon remplaçant, Laurent, cette semaine a été à une inauguration où il a pu rencontrer Guillaume Larrivé et bien échanger avec lui. Donc mardi prochain, Guillaume Larrivé va discuter avec Monsieur Véran de ce sujet pour éventuellement changer cette ligne dans la circulaire. Donc affaire à suivre, samedi prochain je vous dirai. Alors une autre bonne nouvelle, je vous demande votre attention. Je suis sûre que vous dites des trucs intéressants, mais ça c'est vraiment une bonne nouvelle alors quand même. Donc avant-hier, le Canada a retiré l'obligation vaccinale des professionnels de santé. Voilà, le gouvernement a renoncé à l'obligation vaccinale des travailleurs du réseau de la santé et des services sociaux. Ils auront donc un dépistage obligatoire à réaliser 3 fois par semaine. Leur ministre de la Santé, bien plus conscient que le nôtre, j'ai l'impression, a dit « Le réseau ne peut pas se passer de personnel non vacciné. Bien qu'il ne représente que 3% des employés du réseau de santé, leur absence a brisé la continuité de trop de services de soins. » Donc c'est ce qui se passe actuellement en France. Ah non, il n'y a pas 15%, mais on est à plus de 3. Leur premier ministre François Legault en septembre avait tout de même déclaré « Moi, si j'étais patient dans un hôpital, je n'accepterais pas qu'une infirmière non vaccinée s'approche de moi. » Donc malgré tout ce qu'ils avaient pu dire, ils ont reculé sur l'obligation vaccinale. Et puis vu qu'on est devant l'ARS et que j'ai appris ça cette semaine, je voulais vous en faire part parce que c'est quand même pas mal. Donc il y a un journaliste qui a écrit plusieurs livres, dont « La mafia d'État », Les intouchables d'État, bienvenue en Macronie, et un autre livre, Les Voraces. Et dans l'un d'eux, il dit qu'en France, il existe 600 hauts fonctionnaires qui sont mieux payés que le président de la République. Un haut fonctionnaire a à la fois... Non, pardon, les directeurs d'ARS. Oui, ah, mais t'as donné la réponse. On fait comme si on n'avait pas entendu. Un haut fonctionnaire est à la fois, donc il a à la fois une fonction publique, une fonction politique, et il est à la tête d'une grande entreprise privée. Depuis l'élection de Macron, jamais cette caste n'a été aussi puissante et riche. Et devinez qui parmi ces hauts fonctionnaires est celui qui est le mieux payé ? Le directeur de l'ARS. Macron, ton passe, on n'en veut pas.
de choisir, liberté de soigner, liberté de choisir, liberté de soigner, liberté de choisir, liberté de soigner, liberté. Liberté de soigner, liberté de choisir, liberté de soigner, liberté de choisir, liberté de soigner, liberté de choisir, liberté de soigner. Thank you.
c'est la révolution. On avait déposé une lettre qu'on avait lue ensemble et puis on a fait la même chose pour Madame Dominique Bérien, notre sénatrice, et elle m'a répondu. Donc je vous lis sa réponse. Donc l'objet de la lettre, c'était la proposition de loi instaurant la vaccination dite la vaccination obligatoire contre le SARS-CoV-2. Donc elle m'a répondu. Madame, vous m'interpellez au sujet de la proposition de loi instaurant la vaccination obligatoire contre le SARS-CoV-2. Ce texte a été déposé par la sénatrice Marie-Pierre de la Gontrie avec plusieurs collègues du groupe socialiste. J'ai voté contre cette proposition lors de son passage en hémicycle, le mercredi 13 octobre, car je ne crois pas à l'obligation. Pour autant, je considère que le vaccin a son utilité dans la crise que nous traversons. Il nous permet, avec les tests de dépistage, de continuer à vivre et à avoir des relations sociales, alors que cette maladie continue à faire des dizaines de morts chaque jour en France. Toutefois, les dispositions exceptionnelles devant rester exceptionnelles, je suis opposée à la prolongation des mesures d'urgence sanitaire sans le contrôle des parlementaires. Voilà. Donc, elle est d'accord avec nous, elle s'oppose, mais comme le Sénat n'a plus de poids par rapport à l'Assemblée nationale. C'est un devoir de Français participant au destin planétaire des terriens et qui portons dans notre héritage national les principes universels qu'expriment si bien les 11e et 12e couplets toujours méconnus aujourd'hui de la Marseillaise. Je vous lis les deux couplets. La France que l'Europe admire a reconquis la liberté et chaque citoyen respire sous les lois de l'égalité. Un jour, son image chérie s'étendra sur tout l'univers. Peuple, vous briserez vos fers et vous aurez une patrie. Foulant aux pieds les droits de l'homme, les soldats attestent que légion des premiers habitants de Rome à servir les nations. Un projet plus grand et plus sage nous engage dans les combats et le Français n'arme son bras que pour détruire l'esclavage. Donc, la même ambition vibre dans le programme adopté en 1944 par le Conseil national de la Résistance. On passe.
on n'en veut pas. Macron, ton passe, 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 on n'en veut pas. En place devient insupportable pour bon nombre d'entre nous. La démocratie est bafouée. Le président de la République ne protège plus son peuple. Les lois européennes supplantent les lois des États membres. Il faut en finir avec cette mascarade. Il est inadmissible qu'une seule personne au pouvoir, entourée de ministres aussi incompétents et corrompus, puisse avoir autant de pouvoir. Il en est de même pour les députés et sénateurs. Ils nous ont trahis et ne respectent pas le mandat que nous leur avons confié pour nous représenter et nous défendre. Il faut mettre fin à tous ces partis politiques qui n'ont pour but que de soutenir le roi Macron dans sa politique dévastatrice de nos droits et libertés. C'est une opposition contrôlée. Nous sommes déjà pris au piège par une utopie tout aussi folle que fantasmagorique. L'information est truffée de mensonges à longueur de temps. La vérité est sans cesse détournée. Quels que soient ceux qui seront élus en 2022, ils continueront l'œuvre de Macron parce qu'ils ne veulent pas que le système change. Les débats publics sont absents des plateaux de télévision. Les syndicats qui devraient logiquement former un contre-pouvoir se sont couchés devant Macron, restant muets et indifférents face à la misère certaine auxquelles les salariés exclus de leur travail sont voués. Nous devons arrêter cette folie. Le peuple veut un autre monde et surtout rester libre. Les électeurs boutent de plus en plus les urnes. C'est bien qu'ils refusent en bloc la politique proposée par les gouvernements successifs de gauche et de droite. Imaginons quelque chose de plus juste, en accord avec un gouvernement du peuple, pour le peuple et par le peuple. Notre proposition est que la France pourrait être gouvernée par un système où seul le peuple serait décideur des lois par voie référendaire. On pourrait imaginer ce système sous forme associative. La carte d'adhésion servirait de carte d'électeur. Et si 50 millions de citoyens adhèrent, ce seront autant de voix qui s'opposeront à la politique actuelle. Nous deviendrons alors majoritaires pour mettre fin à cette oligarchie. Réfléchissons-en ensemble, puisque nous avons des avocats qui nous guident. Ils peuvent sans doute nous conseiller et adhérer à notre projet, ainsi que de nombreux intellectuels. Nous devons nous organiser. On ne peut plus se contenter de manifester puisque rien ne se passe de plus. Nous formerons une association apartisane de contre-pouvoir. Ainsi, nous mettrons fin à ces campagnes électorales, aux budgets extravagants, tromperies en tout genre et promesses inatteignables de surcroît.
puisque le gouvernement veut instaurer un pass pour aller voter, eh bien n'y allons plus. Refusons cette élection à la présidentielle. Macron doit être le dernier, nous devons y veiller. D'ailleurs, nous ne reconnaîtrons aucun des candidats. L'actualité est riche de contradictions. Servons-nous-en pour orienter nos débats dans les futurs meetings éventuellement. Ensemble, nous pouvons tout. Seuls, nous ne pouvons rien. Nous faisons appel à tous les citoyens en capacité de réfléchir sur le sujet afin de créer un collectif national pour aspirer au changement. Le pacifisme ne nous sauvera pas. Si vous êtes intéressé par le sujet, rejoignez l'organisation ou mon époux ou moi-même. Merci à vous. Merci, bravo. La réalité, j'ai parlé beaucoup avec des infirmiers, des gens, ces médecins-là qui nous ont soutenus, suivis sans vaccin. Ils sont suspendus. Non, ils ne sont pas suspendus. Derrière suspendus, c'est autre chose qui se passe. Il faut qu'ils continuent à vivre. Avec quoi? À s'alimenter. Avec quoi? J'ai entendu dire qu'ils sont en train de parler peut-être d'indemniser via le RSA, via le chômage, les médecins suspendus. Pendant ce temps-là, on envoie 60 millions, je crois, par mois pour payer des vigiles. Pas Macron, ton passe, on n'en veut pas. 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 Oh!
bafoué. Injection. Là où on va en tournant là ou pas? On rentre là. Moi, je continue donc à ramasser la cagnotte pour les personnes suspendues. Donc aujourd'hui, on a remis notre première enveloppe. Donc voilà. Donc après, il faudrait que les personnes suspendues se fassent connaître qui ont besoin, parce qu'on ne peut pas deviner. Merci.